lire la parole de Dieu. Ouvrons nos Bibles, c'est notre sujet toujours, les étapes du mariage. Mon sujet n'est pas les trois étapes du mariage, mais les étapes du mariage. Je n'ai pas une autre occasion, je dois terminer aujourd'hui. Parce que dimanche prochain, je dois m'envoler avec mon épouse. Lisons Deutéronome chapitre 22. 23 à 27, notre texte habituel. Mais nous lirons debout 23 à 24. Et 25 à 27 assis. Puis Exode 22. Nous lisons. Si une jeune fille vierge est fiancée et qu'un homme la rencontre dans la ville et couche avec elle, excusez le terme, c'est la Bible. Vous les amènerez tous deux à la porte de la ville. Vous les lapiderez et ils mourront. La jeune fille, pour n'avoir pas crié dans la ville, et l'homme pour avoir déshonoré la femme de son prochain. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Nous pouvons nous asseoir. 25. Mais si c'est dans les champs que cet homme rencontre la jeune fille fiancée, lui fait violence et couche avec elle, l'homme qui aura couché avec elle sera seul puni de mort. Tu ne feras rien à la jeune fille. Elle n'est pas coupable d'un crime digne de mort. Car il en est de ce cas comme de celui où un homme se jette sur son prochain et lui ôte la vie. La jeune fille fiancée que cet homme a rencontrée dans les champs a pu crier sans qu'il y ait personne pour la secourir. Si un homme rencontre une jeune fille vierge non fiancée, lui fait violence et couche avec elle, et qu'on vienne à le surprendre, l'homme qui aura couché avec elle donnera au père de la jeune fille 50 cycles d'argent. Et parce qu'il a déshonoré, il la prendra pour femme et ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. Exode 22. Je crois verset 16 et 17. Si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée et qu'il couche avec elle, il paiera sa dot et la prendra pour femme. Si le père refuse d'aller lui accorder, il paiera en argent la valeur de la dot des vierges. Que Dieu bénisse sa parole. Zambia bénisse dit Djende. Je crois que les jeunes filles et les jeunes gens et nous tous, c'est devenu comme une monotonie.
des trois dimanches ici, on répète cette écriture. Je crois que c'est bien entré dans nos têtes pour les jeunes filles et pour les jeunes garçons. Il y a certains péchés qui se commettaient en Israël quand on brisait les commandements de Dieu. L'ouverture était là pour faire l'expiation. Quelqu'un qui a volé, disons, il a brisé les commandements de Dieu. Vous voyez, il a péché, il a brisé les commandements de Dieu. Il devait prendre un agneau pour l'expiation de son péché. Dieu permettait, avait ouvert cette ouverture, cette brèche-là. Mais il y avait des lois qui, quand vous brisez, vous devez être mort, tué. Il n'y avait pas question d'aller à l'expiation. Il y a des péchés que vous devez amener pour l'expiation avec un animal. Mais il y a d'autres péchés ou d'autres comportements que Dieu décide pour la mort. Vous faites ça, pas question de pouvoir amener un animal pour l'expiation. On doit vous tuer parce que Dieu ne supporte pas ça. Tel des cas que nous venons de lire ici, à moins que le papa de la fille trouve qu'il ne veut pas te confier cette fille. Mais sinon tu dois prendre cette fille. Mais vous voyez, si c'est dans les champs et qu'on vous a attrapé, ce n'est pas que tu vas prendre un agneau pour demander non, on te tue. On doit vous écarter dans le royaume de Dieu. Alors comprenez très bien cela. Il y a des péchés qui peuvent amener à l'expiation pour le pardon. Il y a des péchés qui méritaient à ce que la personne dans le Nouveau Testament expulsée. Voyez par exemple dans les messages ce que le prophète a dit et dans question réponse 12 janvier 61, que les jeunes gens suivent cela en rapport avec ce passage que nous venons de lire. C'est la Bible. Paragraphe 507. Excusez Kabine. Question réponse 12 janvier 61. Je crois que si l'on devrait couper la communion avec quelqu'un, ce serait parce qu'il mène une vie immorale et quelque chose du genre, ou quelque chose du genre qui n'est pas digne, par exemple, il n'est pas digne. Vous voyez des personnes à expulser. Par exemple, un homme qui viendrait ici qui salirait nos jeunes filles. Qui insulterait nos femmes. Ce genre de choses-là, tout en continuant à professer qu'il est l'un des nôtres. Vous voyez, bon, s'il est du dehors et qu'il entre ici, eh bien là nous devons faire quelque chose. Mais quand il s'agit d'une personne comme ça, d'une personne immorale qui cherche à coucher avec nos femmes, qui insulte nos filles,
quelque chose du genre, ou qui a un comportement indécent avec elle, ou qui sort avec nos jeunes garçons et qui en fait des pervertis ou quelque chose comme ça. 508, ces choses-là devaient être réglées sans tarder. Et on doit couper la communion avec ces gars-là. Et ne pas lui permettre de prendre de la Sainte Seine. Parce que nous ne devons pas faire ça. Car si quelqu'un mange indignement et ainsi de suite. Ceci officiellement ce dimanche. Les garçons sont tentés de nous suivre et nous prenons l'église à témoin. On attrape un garçon comme ça. Dans la Bible, il devait être tué, surtout aller avec les jeunes fiancés. Et aussi déshonorer les filles. Il n'y a pas une porte pour l'expiation. Dans l'Ancien Testament, on tuait. Le prophète dit qu'on doit écarter cette personne-là rapidement. Donc chasser de notre église. Jeunes gens, vous souvez très bien. Jeunes filles, vous souvez très bien. On vous surprend dans une situation comme ça. Vous n'avez pas crié. Et toi? Et les garçons, nous allons vous déclarer officiellement ici que nous vous chassons de l'église. Telle fille et tel garçon, afin que nous sachions comment nous devons avancer. Il n'y a pas de pardon. C'est le prophète qui dit. Entendons-nous bien. Que celui qui a des oreilles entende. Nous voulons achever notre sujet sur les étapes du mariage. Suivez-moi bien, il ne reste que quelques citations parce que je dois aller de l'autre côté pour la prière. Je reprends dans le message l'absolu. Quand vous me posez des questions, vous dites que pasteur, vous avez dit. Non, je dis que vous nous avez lu les prophètes dire. Ne l'attribuez pas à moi, c'est les prophètes qui parlent. C'est pourquoi je vous lis les prophètes. Veuillez bien formuler votre question. Je répondu jusque-là par des formules comme ça, mais il faut bien préciser, vous nous avez lu les prophètes, parce que c'est pas moi, c'est les prophètes qui vous parlent. Nous rappelons ceci. Dans le message un absolu du 4 mars 1963, au 9e paragraphe, quand un jeune homme compte se marier à une jeune femme, il doit connaître le caractère de cette jeune femme. Où la jeune femme doit connaître le caractère du jeune homme. Quelque chose auquel elle peut s'accrocher. Voilà pourquoi le temps de la fréquentation est nécessaire. Pour que tu connaisses la fille et la fille connaisse les garçons. Quelque chose auquel
elle peut s'accrocher. Se demande, sera-t-il un homme juste? Sera-t-il pour moi le genre de mari qu'il faut? C'est là que pendant ce temps-là, vous voyez ses réactions. Et toi aussi, cette femme me donnera-t-elle dans la vie ce que j'attends d'elle? La fidélité et tout. Il doit y avoir quelque chose sur lequel ils peuvent baser leurs vœux. Sachant qu'il y a quelque chose qui tiendra. Il doit bien vérifier et connaître la personne, vice versa. Maintenant, ces étapes dont j'ai parlé, je suis dans les noces de l'agneau. Du 21 janvier 1962, c'est ici que vous devez me suivre attentivement. Nous lirons de 38 jusqu'à 41. Projetez-moi cela là-bas. Traduction Canada ou la voix de Dieu, c'est 80 à partir du paragraphe 81. Et suivez-moi bien. Je lis et j'essaye d'insister. Suivez maintenant les étapes du mariage, les sujets proprement. Bien, dans un sens, le mariage est un type, il ne termine pas la phrase. Il y a un jeune homme qui m'a posé la question. Pasteur, quand vous lisez le prophète, il dit, vous dites qu'il ne termine pas la phrase. C'est qu'il voulait parler quelque chose de mal ou quoi? Non, ceux qui enregistraient. Voyez, en ce temps-là, c'était des bobines, hein, des magnétophones. Alors, ça peut arriver qu'on arrive à la fin de la partie maintenant pour changer soit la cassette ou quelque chose. Maintenant, des paroles sont. On n'a pas pu enregistrer. Suivez-moi bien. Le mariage terrestre ici est un type du mariage céleste. Maintenant, examinons cela juste pour quelques instants. C'est le prophète qui vous parle. Pour reprendre cela un instant. La première chose qu'il y a, c'est qu'il faut prendre une décision. La première chose que l'on fait dans les mariages naturels, c'est une décision que l'on prend. La jeune fille doit décider si oui ou non elle accepte ce jeune homme. Et le jeune homme, si oui ou non, il accepte la jeune fille. Il faut qu'une décision soit prise. Et vous devez la prendre. C'est pourquoi pendant ce temps de fréquentation, pour mes enfants, suivez bien. Ou vous, le veuf ou le veuve qui veut se remarier. Voyez, vous avez fait la fréquentation. Vous fréquentez. Maintenant, vous arrivez maintenant. La première chose, c'est la décision que vous devez prendre.
Elle doit être la seule femme au monde que vous aimez. Et il doit être le seul homme. Si ce n'est pas le cas, alors vous avez pris une mauvaise décision. Après ce temps-là que vous avez eu dans la fréquentation, vous voyez ces réactions. Est-ce que ces comportements ici, je vais supporter ça? Cette façon de procéder, je vais supporter ça? Oui. Si vous avez apprécié son comportement, vous trouverez en tout cas, je me décide maintenant. C'est ça la première chose. C'est ça la première étape. Après fréquentation, vous décidez qu'en tout cas, je trouve que c'est la seule. Parmi toutes celles que je vois, pour celles-ci, je sens l'attraction à moi, je vois que c'est elle. Ou la fille sent qu'en tout cas, c'est ce garçon. Quelquefois, nous les parents devons comprendre ça. Votre fille qui a déjà 28 ans. 26 ans. Elle est majeure. À moins que si vous êtes convenant avec elle qui termine les études, là ça va. Elle a terminé. Mais c'est vous qui décidez sur son choix. À cet âge est arrivée cette jeune fille, elle a le droit de faire son choix pour la personne qui va vivre avec elle dans la vie. C'est notre comportement qui amène nos filles à nous cacher la fréquentation parce qu'ils sentent que papa va faire des problèmes. Mais si nous sommes ouverts avec ces enfants-là à un certain âge, dis-nous si vous avez un cas, venez nous parler. Parce que nous enregistrons des jeunes filles qui y ont fait peut-être 6 mois, les parents ne savent pas. Nous condamnons ça. Mais ils ont peur de dire aux parents. Mais ça, nous avons dit que 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 nous avons dit